Et cette guidance se fera soit pour l'ici-bas, lorsqu'Allah guide quelqu'un vers l'islam, soit elle se fera vers l'au-delà, mais elle sera trop tard pour lui. Le guider, ça veut dire le réveiller. Le réveiller et lui montrer que sa mécréance n'avait pas lieu d'être. Et que ce que Allah a annoncé à travers le Coran et à travers ses messagers et ses prophètes est une réalité. Et lorsqu'il va découvrir cela, donc son cœur va revivre. Les gens sont comme des gens qui dorment. Et lorsqu'ils décèdent, ils se réveillent. Donc c'est ce réveil-là. Mais ce réveil-là ne sert absolument à rien parce qu'il fallait l'opérer lorsqu'on était sur terre. Parce que c'est la demeure de l'épreuve. Alors que dans l'au-delà, c'est une demeure de récompense dans un sens ou dans un autre. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu. Et nous écrivons ma qaddamu wa atharahum. Qaddama en arabe ça veut dire avancer, faire avancer quelque chose. Wa atharahum ça fait référence à leurs traces. On va expliquer ce que c'est que les traces. Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ça veut dire nous allons inscrire toutes leurs œuvres, tout ce qu'ils ont avancé pour l'au-delà. Nous savons très bien que ce que nous accomplissons sur terre, c'est un investissement pour l'au-delà. On avance des œuvres pour avoir leur récolte dans l'au-delà. Mais un qaddamu, ça veut dire les œuvres qu'ils ont accomplies sur terre. Tout ceci sera inscrit. Wa atharahum, ainsi que leurs traces. Alors, que veut dire l'athar ici dans ce cas? Là aussi, on peut le prendre dans son sens réel, comme on peut le prendre dans son sens métaphorique. Et les deux sens sont corrects. Et comme on le dit toujours, le Coran, il peut susciter plusieurs commentaires. Et un seul verset peut susciter plusieurs commentaires. Et tous les commentaires peuvent être corrects les uns et les autres. Et bien entendu, Allah Azza wa Jalla veut, par certaines expressions, englober toutes les possibilités qui existent. Et pas forcément une seule. Et c'est pour cela qu'il faut toujours, lorsqu'on veut lire l'exégèse du Coran, se baser sur plusieurs exégètes, voir l'avis des uns et des autres, et vous allez vous rendre compte, en fin de compte, que chacun a raison dans ce qu'il avance comme commentaire et comme explication. Alors si on prend maintenant les traces dans leur sens réel, ce sont les traces des pas. Lorsque tu marches vers la mosquée, les traces que tu laisses par terre, et tu laisses forcément des traces, mais tu ne fais ou pas. Ces traces-là seront inscrites et tu seras récompensé sur ces traces-là. Lorsque tu accomplis la prière à un endroit, cet endroit-là peut être témoin à ta faveur le jour de jugement. Voilà pourquoi, à la fin de la prière de l'Isha, lorsqu'on veut accomplir des prières surrogatoires, on change d'endroit pour multiplier les endroits dans lesquels on accomplit la prière. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé les musulmans de s'asseoir au même endroit dans la mosquée. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'ils rentrent à la mosquée, c'est comme s'ils ont loué un endroit, un mètre carré ou deux mètres carrés. Tu le trouves toujours à gauche de la mosquée, ou à droite de la mosquée, ou dans le coin, un coin bien précis. Ceci est encore, c'est déconseillé en islam. Il faut multiplier les endroits où on s'assoit lorsqu'on est à la mosquée, où l'on veut accomplir la prière. Pourquoi? Parce que tous ces endroits-là seront des témoins à ta faveur le jour du jugement. Toutes les traces que tu laisses, les bonnes traces ou les mauvaises traces, seront comptabilisés et seront des témoins pour ou contre toi le jour du jugement. Donc, toutes les traces qui sont accomplies seront inscrites. Et ceci est corroboré, cet avis-là est corroboré par un hadith authentique dans lequel certains habitants des environs de Médine, Banu Salama, tribu de Banu Salama, ont voulu déménager. On a parlé de cela au début lorsqu'on a parlé de l'introduction générale de cette surah. Ont voulu déménager pour se rapprocher de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'on peut avoir plus de récompenses en accomplissant la prière de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ont voulu déménager, donc, alors que c'était une tribu bien installée dans les environs de Médine. Donc ils ont voulu prendre, c'est-à-dire leurs enfants, leurs affaires, et déménager, construire pratiquement une nouvelle, construire un nouvel emplacement et des demeures juste à côté de la mosquée. Lorsque le prophète a eu vent de ce qu'il voulait faire, le prophète leur a parlé, leur a dit, j'ai entendu que vous voulez déménager pour vous rapprocher
de la mosquée. Ils lui ont dit, certes, prophète. Et là, il a dit, le prophète a dit, « Ya Bani Salama, diyarakum, tuktab atharukum. » Diyarakum, ça veut dire restez dans vos demeures, restez dans vos habitations. Tuktab atharukum, vos traces seront inscrites. Autrement dit, le trajet que vous accomplissez tous les jours pour venir à la mosquée pour accomplir la prière, tout ce trajet-là, les pas que vous accomplissez dans ce trajet-là seront inscrits. Et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'un musulman accomplit ses ablutions chez lui et qu'il se dirige à la mosquée, pour chaque pas qu'il accomplit, il s'élève d'un degré et Allah azza wa jalla donc le purifie d'un péché. Donc à chaque fois que ces pas sont multipliés, bien entendu, la récompense d'Allah azza wa jalla est multipliée. Et les savants en ont discuté, pour quelqu'un qui vient sur une monture, est-ce qu'il aura la même récompense que quelqu'un qui vient à pied? Et là, les savants ont divergé, mais la majorité a dit que non, c'est pas du tout la même chose, puisque l'effort en venant à pied est beaucoup plus important que l'effort en venant sur une monture. Donc la récompense sera multiple. Mais même pour une personne qui vient sur une monture, les voitures en l'occurrence au jour d'aujourd'hui, là aussi, elle a forcément une récompense, puisque Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit celui qui fait, qui accomplit ne serait-ce une bonne œuvre, mais ne serait-ce que du degré d'un Nathan, il verra du bien, il sera récompensé pour bien. Et cette parole-là est générale, quel que soit l'effort qui est accompli pour présenter un bien ou se déplacer vers un bien. Il a même été rapporté que ce verset a été révélé suite à cet événement de Banu Salam. Que lorsque le professeur Hassan leur a parlé, le verset a été révélé pour corroborer ce qu'a dit le professeur Hassan. Certains exégètes disent que ce fut le cas de plusieurs tribus avoisinantes de Médine qui ont voulu déménager pour se rapprocher de la mosquée du professeur Hassan. Et ce verset est venu quelque part pour leur dire de rester là où ils étaient, puisque Allah Azza wa Jalla multipliera leur récompense. Ce qui corrobore justement cet avis-là, c'est que plusieurs hadiths montrent que lorsqu'une personne se déplace de là où il réside pour accomplir un bien quelconque, pas forcément la prière, mais même pour appeler Allah Azza wa Jalla ou pour sauver sa religion, quelqu'un qui immigre par exemple, comme ce fut le cas des premiers musulmans qui étaient à la Mecque, les Muhajirun, ils ont émigré de la Mecque vers Médine pour sauver leur religion. Plus ils s'éloignent de leur pays natal, plus ils auront des hasanat. Au point que les Muhajirun espéraient toujours mourir, non pas à la Mecque, non pas dans leur pays natal, mais de mourir dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le fait de mourir ailleurs multiplie les récompenses. Ils se sont basés justement sur un hadith qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était au pèlerinage, Sa'd ibn Abi Waqqas, son oncle maternel, est tombé malade, gravement malade, au point que la majorité des gens ont cru qu'il allait mourir. Et même Sa'd pensait qu'il allait mourir, au point que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rend la visite, il a commencé à questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il avait le droit de donner en héritage tout ce qu'il possédait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, c'est trop. On va donner en nombre tout ce qu'il possédait, de ne pas laisser d'héritage à ses enfants. Il lui dit, c'est trop, il lui dit, est-ce que je peux donner dans ce cas la moitié? Donner en nombre la moitié, ne laisser que la moitié pour mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est trop. Et après, il lui dit, est-ce que dans ce cas, je peux donner le un tiers? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, oui, le un tiers, mais même le un tiers, c'est trop. Et c'est pour cela que certains savants qui ont Abbas, ils ont dit que c'est autorisé de donner le un tiers de son bien avant de mourir en moins, mais le professeur a dit quand même que c'est beaucoup. Autrement dit, il faut donner moins, puisque le professeur lui a dit, vaut mieux pour toi laisser tes enfants riches que de les laisser pauvres en train de tendre la main aux autres. Et ensuite, Sa'd ibn Abi Waqqas lui a dit, Ya Rasulallah, a'ukhallafu ba'da ashabi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vais-je rester? Alors ça peut se faire d'une manière, comme une confirmation ou comme une question. Est-ce que je vais rester seul à la Mecque
Et mes compagnons, mes amis qui sont venus avec moi, vont repousser chemin à midi et je vais mourir ici à la Mecque. Ou c'est une confirmation, parce qu'il pensait qu'il allait mourir, et de dire, je vais mourir ici, et mes compagnons reviendront à leur demeure à Médine, et moi je mourrai à la Mecque. Autrement dit, ça ne peut pas, parce qu'on ne voulait pas mourir à la Mecque, alors même qu'il était originaire de la Mecque. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, « Innaka lan tukhallafa fata'mala amala salihan illa zdadta bihi darajatan wa rif'a. » Sache que si tu restes ici, si tu restes ici, ça veut dire que tu ne nous accompagnes pas à Médine, si tu restes ici et que tu accomplis des bonnes œuvres, ceci va augmenter ton degré auprès d'Allah Azza wa Jal et te multiplier la récompense et les honneurs. Et ensuite il a dit, ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. Et il se peut qu'en restant ici, beaucoup de gens tireront profit de toi. Ils vont apprendre l'islam de toi, tu vas les guider vers l'islam. Donc beaucoup de gens tireront profit de toi et beaucoup de gens auront la rage de ta présence. Autrement dit, les kuffars, ceux qui n'aiment pas l'islam, en te voyant parmi eux, ça ne va pas leur plaire. Donc autrement dit, même si tu restes ici, tu auras bien entendu la récompense d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le professeur Hassan a dit, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Seigneur, fais de sorte que la hijra, que l'immigration de mes compagnons soit complète. Soit complète. Autrement dit, c'est comme si le professeur Hassan voulait que ses compagnons décèdent loin de la Mecque. Du moins ceux qui, bien entendu, ont immigré de la Mecque, qui étaient originaires de la Mecque. Ensuite, il a dit, « Wala tawdahum ala aqabihim. » Ne fais pas de sorte qu'ils repoussent chemin. « Lakin ba'isu huwa sa'd ibn Khawla. » Et celui qui a rapporté le hadith, il dit, « Yardi lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-mata bi Makkah. » Il a dit, « Mais celui qui regrettera, ça sera Sa'd ibn Khawla. » Pourquoi? Parce que Sa'd ibn Khawla, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a accompli l'immigration, mais qui est revenu entre-temps à la Mecque et qui a décédé à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui il regrettera le fait d'être mort à la Mecque et qu'il soit pas mort à Médine, loin de chez lui. Et à partir de ce hadith, on comprend que plus on meurt loin de là où on a résidé, ou de là où on a vécu, ou de là où on est né, pour Allah Azza wa Jal, on s'est déplacé pour Allah Azza wa Jal, pour sauver sa religion, ou pour la répandre. Là, Allah Azza wa Jal multiplie les récompenses. Et ce qui confirme encore ceci, c'est que un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière sur un musulman médinois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la prière, a dit « Ya laytahu mata fi ghayri maulidi »« Ya laytahu mata fi ghayri maulidi » J'aurais aimé qu'il décède ailleurs que dans son pays natal. J'aurais aimé qu'il meure ailleurs que son pays natal, parce qu'il était médinois, il est mort à Médine. Et les compagnons, radhiyallahu anhum, ont rétorqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pourquoi? Pourquoi tu espères qu'il meure loin de chez lui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna ar-rajula idha tuwfiya fi ghayri mawlidihi qisa lahu min mawlidihi ila munqati atharihi fi al-jannah. Lorsqu'un homme décède loin de son pays natal, lorsqu'un homme, bien entendu musulman croyant, décède loin de son pays natal, on lui donnera une récompense dans le paradis supplémentaire qui sera relative à la distance qui sépare son pays natal de l'endroit où il est mort. Il aura une récompense supplémentaire qui sera relative à la distance qui sépare l'endroit de sa naissance de l'endroit où il est mort. Tout ceci, c'est pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à se déplacer sur terre et à aller appeler les gens vers l'islam. Et justement, c'est ce qu'ils ont fait, les compagnons de Allah alayhi, même s'ils ont conquis la Mecque, ils sont revenus chez eux, ils n'ont pas résidé à la Mecque. La majorité des compagnons se sont déplacés, ils sont partis partout dans le monde pour répandre l'islam. Et ceci vous montre que lorsqu'on est dans un pays où on est en train d'instaurer les piliers et les bases de l'islam,
et que l'islam a besoin de nous, et que la prédication et l'appel à Allah Azzawajal a besoin de nous, il faut y rester. Parce que vous avez une tendance de certaines personnes qui, pour eux, non, je dois aller vers un pays musulman pour protéger ma religion. Ça, c'est une vision. Mais cette vision doit être la vision des faibles, de ceux qui ne peuvent pas préserver la religion et appeler les autres à Allah Azzawajal. En revanche, pour celui qui peut protéger sa religion et appeler les gens, il a les moyens et les outils d'appeler les autres à la religion de Dieu, c'est mieux pour lui de rester là où l'islam a besoin de lui pour déjà préserver l'islam de ses co-religionnaires, s'ils en ont besoin. Et Dieu sait que dans ce pays-là, les musulmans, les 6 millions de musulmans, ont besoin des musulmans véridiques, des musulmans pieux, des musulmans pratiquants pour éduquer leurs enfants, pour orienter leurs enfants, pour leur apprendre l'islam et pour renforcer l'édifice musulman. Si les bons musulmans quittaient la France ou un autre pays européen ou occidental pour aller se réfugier dans un pays musulman, c'est l'effondrement total de ceux qui sont restés dans ce pays. Si les bons partent et que les mauvais restent, c'est l'effondrement de l'avenir de l'islam dans ce pays. Et ceci aussi se confirme par le hadith rapporté par Muslim, « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ » Lorsque le fils d'Adam décède, ses œuvres s'achèvent, sauf lorsqu'elles font partie de trois catégories d'œuvres. « Sadaqa jariya »« Sadaqa jariya » une œuvre permanente, bien une aumône permanente, « أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ » bien un savoir profitable pour les autres, « أَوْ وَلَدُ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ » ou un enfant pieux qui invoque Allah Azza wa Jalla pour lui. Donc là, ce hadith-là nous montre que la personne même, elle a accompli des œuvres. C'est-à-dire les œuvres qu'ils ont accomplies. Mais derrière ces œuvres-là, il y a, parmi ces œuvres-là, il y a des œuvres qui continuent à être rétribuables pour celui qui les a accomplies. Donc ce sont Amal Dadima. Et ce sont l'Afa. On peut expliquer par l'Afa. Les traces qu'a laissé cet homme. Il a décédé, mais il a laissé une aumône permanente, comme la construction d'une mosquée qui sert aux générations futures, la construction d'une école, la construction d'un orphelinat, la construction d'un puits pour que les gens puissent s'abreuver. Tout ce qui peut aider les musulmans, ou faciliter la tâche aux musulmans, ou donner un réconfort aux musulmans dans leur religion, dans leur vie sur terre, c'est considéré comme une aumône permanente. Et regardez la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là. C'est qu'il a cité trois domaines très importants. Il a dit sadaqa jariya, une aumône permanente. Wa ilmun yuntafa'u bih, un savoir, il n'a pas précisé quel savoir. Un savoir qui profite aux autres. Wa waladu salihun yad'u lahu, un enfant pieux qui invoque Dieu pour lui. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait référence à trois domaines. Le premier domaine, c'est le domaine économique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a dit une sadaqa jariya, une aumône permanente, ça veut dire que tu as accompli une œuvre, parce que pour construire une mosquée, ça demande énormément d'argent. Pour construire une école, ça demande énormément d'argent. Pour un orphelinat, pour un puits. Donc, parce que ça va servir à plusieurs gens. Donc c'est une œuvre qui est grande. Et forcément, donner en aumône quelque chose qui va servir d'une manière permanente, ça veut dire que tu as besoin d'avoir l'argent. Et cet argent, tu dois le gagner d'une manière licite. Et donc là, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux musulmans de développer le domaine économique qui leur permettrait d'avoir une richesse par laquelle et à travers laquelle ils construiront la société musulmane. Et voilà pourquoi Allah azza wa jalla, chaque fois qu'il parle de jihad, il parle de jihad d'abord avec les biens matériels. Jihadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Si tu n'as pas d'argent, jihad avec l'argent, tu ne peux plus l'accomplir. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas accomplir jihad avec l'argent. Il te reste d'autres types de jihad s'il y en a et si les savants l'ont autorisé selon le contexte dans lequel tu es. Mais lorsque Allah azza wa jalla parle de jihadu bi amwalihim, ça veut dire que tu es quelqu'un qui gagne assez pour s'autosuffire, suffire les besoins de sa famille, suffire les besoins des proches et suffire aux besoins de toute la communauté. Autrement dit, il est riche. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Uthman ibn Affan
préparation d'une armée musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ma dharra Uthmana ma fa'ala ba'da al-yawm. Rien ne nuira à Uthman après ce qu'il a fait aujourd'hui. Rien ne nuira à Uthman après l'œuvre qu'il a accomplie aujourd'hui. C'est quoi cette œuvre? Il a donné de son argent pour préparer une armée. Il en est de même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ni'mal mal salih li rajuli salih. Il est béni, l'argent béni, l'argent licite, lorsqu'il est entre les mains de quelqu'un de pieux. Il est béni l'argent licite lorsqu'il est entre les mains d'un pieux. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait référence au domaine économique. Les musulmans doivent être forts au domaine économique pour faire perdurer leur aumône permanente qui serviront les générations futures. Le deuxième domaine auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence, c'est le domaine du savoir, le domaine de la science. Lorsqu'il a dit « ilmun yuntafa'oubi », un savoir qui profitera aux autres. Donc ça peut être un savoir religieux. Et c'est pour cela que certains savants disent, il ne s'agit pas de redire ce que les autres savants ont déjà dit. Là, tu ne fais que transmettre un savoir. Mais non, c'est de faire quelque chose de nouveau, de ramener quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a été fait. Et ce savoir-là peut être un savoir qui a un rapport, pas forcément un rapport avec la religion, ça peut être un savoir qui a un rapport avec la santé des gens. Lorsque des médecins ou des chercheurs découvrent des médicaments, ou mettent au point des médicaments pour guérir les autres, ou bien de la chirurgie, tout moyen médical qui permet de guérir les malades, ou bien d'apaiser la situation de ceux qui souffrent. Bref, mais bien entendu, il faut que ça soit accompagné avec la foi. S'il n'y a pas la foi, aucune récompense, bien entendu, dans l'au-delà. Mais lorsque tu as la foi, la bonne intention, et que tu mets en place un savoir qui servira à l'humanité, Allah Azza wa Jalla te rétribuera, même si tu es dans ta tombe et tu continues de recevoir la récompense tant que les gens profitent du savoir que tu as mis en place. Donc là, c'est une incitation de la communauté musulmane à s'intéresser au domaine scientifique dans tous les domaines. Tous les domaines scientifiques, pas que le domaine religieux, ça peut être les mathématiques, la physique, la chimie, l'astronomie. Et c'est pour cela justement que les musulmans à certaines périodes ont compris ce message-là. Et ils étaient les pionniers dans toutes les sciences humaines et les sciences scientifiques et naturelles que nous connaissons aujourd'hui. Et le troisième domaine auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence, où est-ce que ça, le premier de l'œil, un enfant bien éduqué qui invoque pour Dieu, lui, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et vous savez très bien que ces trois piliers-là sont les piliers d'une bonne civilisation aujourd'hui. Lorsque vous avez un pays qui maîtrise ces trois domaines, le domaine économique, le domaine scientifique et le domaine d'éducation, les écoles, les universités, le savoir de manière générale, c'est un pays qui peut aller très très loin. Et tant qu'un pays ne maîtrise pas ces trois domaines-là, il est en régression totale. Regardez l'exploit qu'ont accompli les Turcs dans les quelques décennies qui sont passées. Si vous faites une visite en Turquie, vous allez voir que c'est parce qu'ils ont maîtrisé ces trois domaines-là qu'ils ont opéré une avancée très significative dans les dernières décennies. Une autre preuve qui montre que l'explication de ce verset « Arab » signifie « les pas », c'est qu'il a été rapporté que Soufiane Thaouri a rapporté sur Mujahid qu'il a expliqué ce verset-là, en disant ce qu'ils ont laissé comme égal. Nous allons inscrire ce qu'ils ont laissé comme égal. Ce qui corrobore encore ceci, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui instaure une sunna et les gens utilisent cette sunna ou respectent cette sunna, il aura sa récompense et la récompense de toute personne qui a suivi ses pas sans le retrancher de leur récompense quoi que ce soit. Et celui qui instaure une mauvaise sunna, une bid'a, une innovation, et que les gens suivent, donc il aura commis le péché de cette bid'a et il aura le péché de toute personne
qui a suivi ces pas en accomplissant cette innovation sans que leur péché ne soit diminué. Et pour ce hadith-là, on peut s'attarder longuement dessus. Certains ont expliqué que l'islam, celui qui instaure dans l'islam, certains ont dit non, en fait c'est celui qui a fait revivre une sunna de l'islam qui a commencé à disparaître. Une sunna qui a commencé à disparaître et quelqu'un l'a fait revivre. Donc celui-là, il aura la récompense de toutes les personnes qui l'ont suivi ou qui l'ont imité dans cette sunna. Ou celui qui a tué une sunna qui existait déjà dans l'islam, il aura donc commis un péché, il aura le péché de tous ceux qui l'ont suivi. Mais ça, c'est une explication qui est correcte, bien entendu. Mais l'explication générale reste aussi favorable tant qu'on ne parle pas, bien entendu, d'une innovation qui va changer quelque chose qui a été instauré, quelque chose de rituel qui a été instauré par la religion et qui est clair là-dessus. On ne peut pas venir maintenant pour créer une nouvelle sunna et dire lorsqu'on accomplit le fajr, on va accomplir 4 arkaj au lieu de 3, au lieu de 2. Parce qu'on savait le matin, autant accomplir 4. On va changer sa manière d'accomplir la prière, sa manière de jeûner, sa manière d'accomplir le pèlerinage. Sur ces choses-là qui sont claires et codifiées par les textes scripturaires, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc, comme vous voyez, tout ceci donc, corrobore l'idée selon laquelle c'est ce qu'ils ont accompli d'une manière réelle, c'est-à-dire ce qu'ils ont accompli au niveau de leurs pas, les traces de leurs pas. Maintenant, dans le sens métaphorique, et je m'excuse ce que je viens de dire là concernant le hadith de Sunnah, c'est ça le sens métaphorique. Ce qu'il a laissé derrière lui, et toutes les preuves que j'ai données là dernièrement concernant celui qui a laissé une aumône permanente et tout ça, ça c'est les preuves avancées par ceux qui disent que le verset parle du sens métaphorique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a laissé quelque chose, une œuvre qui est serviable, il aura la récompense dessus. Et voilà les deux sens, le sens réel du verset et le sens métaphorique du verset. Maintenant, la résolution dans le verset, dans le même verset à la fin du verset, dit « Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin » et toute chose, ou bien nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite. « Kulla shay'in ahsaynahu fi imam » L'imam, en arabe, normalement, veut dire celui qu'on suit, celui qui est notre guide, et on le suit, c'est ça, imam. Or, dans le verset là, on parle d'un imam, et imam, nous avons tout inscrit dans un imam explicite. Pour la traduction ici, on a dit dans un registre explicite. Alors, que veut dire l'imam? Alors, selon certains exégètes, comme Mujahid, rahimahullah, ou Qatada, Ibn Zayd, il s'agit de la table protégée, de l'awh de Mahfouz. Vous savez que l'awh de Mahfouz, Allah Azza wa Jal, a inscrit dessus tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Et tous les détails relatifs à ce qui existe dans le monde. Tout est inscrit dans ce livre-là. Donc, au kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, nous avons dénombré tout dans la table protégée, dans ce livre-là, qui concerne tout le monde. Là, c'est une explication qui a été avancée. Et ceux qui avancent cette explication-là, donc ils se basent sur d'autres versets qui parlent de l'Ouh al-Mahfouz. La deuxième explication, c'est de l'imam al-Mubin, c'est le livre de chacun. Il y a un livre, la table protégée qui enveloppe tout. Et chacun de nous a un livre qu'il recevra le jour du jugement, ou bien avec sa main droite, ou bien avec sa main gauche. Et s'il refuse de l'avoir avec sa main gauche, ça viendra. S'il tourne sa main gauche vers l'arrière, le livre viendra vers sa main gauche, même dans son dos. Même un outil à Kitaba ou Ara'a, va rayer. Ça veut dire, lui, en voyant le livre venir vers sa main gauche, il tourne la main vers le dos pour ne pas la voir, et le livre le suivra même dans son dos. Donc, certains savants disent que ce verset-là, il parle plutôt bien. Cette partie du verset, elle parle du livre de chacun. Ça veut dire, kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, tout ce que vous faites, tout ce que chacun de vous fait, a été enregistré et recueilli dans son livre personnel, qu'il recevra le jour du jugement. Et vous voyez, les deux explications se valent. Sauf que, lorsqu'on prend la première explication, kulla shay'in, toute chose, donc là ça concerne toute chose dans cette existence,
Et dans la deuxième explication, « wa kulla shay'in » de ce que cette personne a fait, a été inscrit dans son propre livre. Et ceci justement est corroboré par un autre verset dans lequel Allah Azza dit « Yawma nad'u kulla unasin bi imami » le jour où on appellera chaque groupement de personnes avec leur imam. Alors c'est qui leur imam? Là aussi les savants ont divergé. Comme Ibn Abbas, radiallahu anhuma, pour lui, leur imam c'est le livre. Le jour où on appellera chacun avec son livre. Ibn Zayd a expliqué le livre descendu sur eux par leur prophète. Ça veut dire le jour où on appellera les musulmans et le Coran sera avec eux, c'est lui leur imam. Le Coran sera avec eux pour témoigner sur eux. Les juifs, la Torah témoignera sur eux. Les chrétiens, l'évangile témoignera sur eux. Chaque fois qu'on appelle chaque communauté avec le livre qui leur a été descendu. Ça aussi, c'est une deuxième explication qui a été donnée. Et d'autres savants ont dit imamim, ça veut dire le prophète. On appelle chaque groupement avec leur prophète. Mais tout ceci, c'est pour vous dire que le mot imam a été aussi repris dans un autre verset et qui va aussi dans le sens de Kitab. Pourquoi? Parce que lorsque l'Ajl dit Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim, il a dit فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Celui qui reçoit le livre avec sa main. À la suite, tout de suite, il a dit فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Donc tout de suite, il a dit ceux qui recevront le livre avec la main droite. Donc puisqu'il a parlé du livre ici, c'est comme si c'était une explication de ce qui a précédé, que l'imam ici, c'est le livre. Donc cet avis-là donc, est très, très solide. Alors, d'autres ont interprété le Kulajé Asanoufi Imam Moubin. Eux, ils ont dit Imam Moubin, c'est le savoir de Dieu, c'est l'omniscience de Dieu. Voilà. Et après, lorsqu'on leur a dit, mais Allah a dit Wa Kulajé Asanoufi, nous avons dénombré. Comment dans ce cas tu vas expliquer dénombrer? On ne dénombre pas pour le savoir. Ils ont dit non, ils ont dit Ahsa, c'est pas comme Kataba, c'est pas comme inscrit. Ahsa, ça veut dire qu'il a maîtrisé, il n'a rien laissé passer. D'accord? Lorsqu'on dit Ahsa, ça c'est quoi? Le recensement. On va accomplir un recensement, le nombre d'habitants en France. On l'appelle Ahsa. Ça veut dire qu'on va lâcher rien, on va être minutieux et donner le chiffre exact. D'accord? On ne laissera aucun détail. Mais cette explication, j'allais dire, elle est tirée par les cheveux, mais bon, ce sont des savants, bien entendu, qui l'ont donné. Mais d'autres, la majorité n'est pas d'accord avec eux sur cette explication. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent du kitab. Donc on ne peut pas venir maintenant réduire le kitab et l'interpréter, lui donner une autre signification et dire que c'est le savoir de Dieu. Et d'autant plus que dans le même verset, Allah a dit « Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu » Nous donnons, nous ressuscitons les morts et nous inscrivons « wa naktubu » Et le kitaba, l'écriture, se fait dans un livre. Donc là, on ne va pas encore interpréter le kitaba encore une autre fois. Ça fera trop d'interprétations qui sortent de l'apparence générale du texte. وكل شيء أرسله في إمام مبين. مبين ça veut dire explicite. Pourquoi مبين? Alors ceux qui ont donné l'explication, la première explication, que le kitab c'est la table cachée, préservée, l'œuvre marfoud. L'œuvre marfoud, chaque fois Allah Azza wa Jal, une fois par an, il donne aux anges ce qu'il faut faire de l'œuvre marfoud, une partie, qui leur montre ce qu'il faut qu'ils accomplissent comme mission pendant l'année qui va suivre. Concernant le vent, la pluie, concernant la prise de l'âme des morts, ceux qui vont mourir dans l'année, concernant l'arzak, les moyens de subsistance, et les anges accomplissent ce qu'il y a dans cette partie du livre pendant l'année qui va suivre. Comme on dit, les anges ne savent pas ce qu'il y a dans le livre, ils ne savent pas. Mais Allah leur dévoile seulement ce qui va se passer dans l'année qui suit.
pour qu'il se charge d'appliquer ce qu'il y a dans ce livre-là. Et c'est pour cela, donc, ceux qui ont donné cette explication, ils ont dit, voilà pourquoi Dieu a dit imam al-mubin, explicite. Ça veut dire, ce livre-là, il est imam. Pourquoi il est imam? Parce qu'il est suivi par les anges. C'est pour ça qu'il a dit imam, imam al-mubin, parce que ce livre-là, les anges le suivent pour appliquer ce qu'il y a dedans. Et il leur explicite ce qu'il faut faire pendant l'année qui va suivre. Et ceci arrive notamment, d'après la majorité des savants, le jour de Laylat al-Qadr, c'est là, fi halifraqu kullu amrin hakim, c'est lors de cette nuit de Laylat al-Qadr, la nuit de la valeur, la nuit du destin, que tout est décidé pour l'année qui va suivre. Donc voilà pourquoi il est imam, parce qu'il est suivi par les anges. Voilà pourquoi il est mobile, parce qu'il leur explicite exactement ce qu'il faut faire. Et ce qui est dans notre interprétation de dire que c'est le livre de chacun, c'est, il est imam aussi, parce que les anges, vont, le jour du jugement, vont suivre ce qu'il y a dans le livre de chacun pour appliquer la récompense ou pour lui appliquer la sentence. Et ce livre-là est explicite. Il va leur dire, voilà, celui-là, voilà ce qu'il a accompli, voilà ce qu'il a accompli, voilà ce qu'il a accompli, donc voilà ce qu'il mérite. Tout ça a été écrit dans ce livre-là. Rappelez-vous, le hadith dans lequel le professeur Hassan dit, à un certain stade de développement de l'embryon, là, on voit un ange et qui inscrit le quoi inscrit le jour de la naissance, de la mort de ce fœtus-là, son reste, hein, son reste, ça veut dire les moyens de subsistance qu'il va gagner dans sa vie, et le jour où il va mourir. Donc ceci est explicité dans le livre de chacun d'entre nous. Donc vous voyez que les deux interprétations se valent. Ensuite, la résolution maintenant passe à un autre sujet. Il dit au professeur Hassan, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلًا. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyés. وَضْرِبْ, normalement, ضْرِبْ, ça vient du verbe ضَرَبَ. ضَرَبَ, ça veut dire frapper. Si on voulait traduire, imaginez que vous faites une traduction par un ordinateur. Vous lui mettez les mots et il traduit mot par mot. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا, ça veut dire frappe-leur l'exemple de ça. Ça veut quoi frapper la maison? C'est pas possible. Et le Coran utilise beaucoup ce terme. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Ici, أصحاب القرية. Daraba al-Mathal. Le mot daraba, il vient aussi, on l'utilise dans, même en français, on dit frapper la monnaie. On dit frapper la monnaie. Ça veut dire quoi frapper la monnaie? Ça veut dire qu'on prend des pièces qui sont brutes, des pièces de monnaie qui sont brutes, et on les frappe avec quoi? Avec une matrice qui est en relief. Et cette matrice-là va laisser son effet sur la pièce brute. Et ça va en faire une pièce de monnaie. On dit Daraba, il a frappé la monnaie. Et même en arabe, on le dit Daraba al-Dirham. Daraba al-Dirham, ça veut dire qu'il a frappé pour l'imprimer. Donc, Daraba al-Mathal, Daraba al-Mathal, Mudaraba déjà, généralement en arabe, ça veut dire quoi Daraba? Nous, on le traduit par frapper. Mais ça a une autre signification. Daraba, ça veut dire il a transmis. Il a touché une autre chose et il lui a transmis son propre effet. Il a touché autre chose en lui transmettant son propre effet. Lorsque tu dis Darab al-Wajha, il a frappé le visage, ça veut dire quoi frapper le visage? Donc il a tapé, il a touché, voilà, et il lui a transmis la force de cette main-là, il l'a transmise vers la joue de l'autre et ça a laissé sa trace. Comme il a laissé la trace. Pareil pour lorsqu'on frappe la monnaie. Donc, ce par quoi on frappe laisse la trace sur l'autre. Donc, ça veut dire quoi Darab al-Mathala? Darab al-Mathala, ça veut dire qu'il prend un exemple et il frappe avec celui à qui il va transmettre l'exemple pour espérer lui laisser un effet de cet exemple. Vous avez compris? Donc, il a pris un exemple, il a voulu guider l'autre, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il le frappe avec cet exemple pour lui laisser l'effet de cet exemple. Autrement dit, il espère que l'autre va tirer profit des leçons et des moralités de l'exemple par lequel il a frappé.
Donc vous voyez qu'il y a une bonté dans cette explication. C'est comme si Rahim dit, donne-leur l'exemple des habitants de la cité, et avec cet exemple-là, tu vas espérer leur laisser un effet. Peut-être qu'ils vont tirer profit des exemples qu'il y a, et des leçons et des moralités qu'il y a dans cet exemple-là, pour se guider et pour croire en Allah Azza wa Jalla. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Et Allah Azza wa Jalla, justement, lorsqu'il donne l'exemple, il choisit toujours l'exemple qui concorde, enfin, dont les caractéristiques concordent avec ceux à qui l'exemple va être donné. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ, Allah Azza wa Jalla a donné comme exemple à ceux qui ont mécru l'exemple de la femme de Nuh et de la femme de Lot. Ils sont semblables, les non-croyants, donc il leur a donné l'exemple de la femme de Lot et la femme de Noé qui était non-croyante. Donc il y a une ressemblance. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Et Dieu a donné en exemple à ceux qui ont cru l'exemple de la femme de Pharaon, et ensuite on marie la fille d'Imran, ainsi que de Marie la fille d'Imran. Donc toujours il faut qu'il y ait une ressemblance lorsqu'on prend un exemple et qu'on veut le donner à ceux de qui on espère ou sur qui on espère un effet positif. Donc forcément Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, donne-leur l'exemple des habitants de la cité. Donc ces habitants de la cité, sera le même que l'exemple des Quraishites qui n'ont pas voulu croire au prophète. Et donc forcément, lorsque Allah a parlé de ce sujet-là, c'est qu'il a un rapport avec ce qui a précédé. Donc c'est comme pour lui dire, ces gens-là, les Quraishites, la majorité d'entre eux ne t'ont pas suivi. Je vais te donner aussi un exemple d'autres messagers dont la majorité des gens auxquels ils ont été envoyés ne les ont pas suivis. Donc il y a une ressemblance. En l'occurrence, c'est les habitants de la cité dont on va parler. D'accord ? D'autre manière, parce qu'il lui disait « إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ مِنْ غَيْبٍ » Tu ne vas avertir que celui qui suit le rappel et qui craint Allah Azza wa Jalla sans le voir. Donc je vais te donner aussi un exemple de cette catégorie. C'est l'homme qui est venu de l'extérieur de la ville, dont on va parler plus tard. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Un homme est venu de l'extérieur de la cité dont on va parler. Il est venu pour soutenir les trois messagers et pour dire la vérité sur leur message. Donc là, c'est comme si Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras des gens qui vont venir peut-être de loin et t'aider. Les gens de ta cité là, ils ne t'ont pas suivi. Ils ne veulent pas te suivre, la majorité. Mais il se peut que des gens viennent de l'extérieur de cette cité pour te soutenir. Et justement, c'est ce qui est passé quelques années plus tard. Lorsque les gens de Médine sont venus se convertir à l'islam, et ils ont protégé le prophète, ils ont défendu le prophète, et c'est quelque part grâce à eux que l'islam a connu un épanouissement extraordinaire. Ils n'étaient pas de la Mecque. Donc là, c'était quelque part une manière de rassurer le prophète. Regarde, je vais te donner l'exemple de trois messagers qui n'ont pas été écoutés par les habitants d'une cité. Et en fin de compte, c'est quelqu'un qui est venu de l'extérieur de la cité pour les aider, pour leur apporter main forte et pour appeler à Dieu, même s'il est, et il est mort, en fin de compte, pour la cause de Allah Azza wa Jalla. Donc quelque part, sache que Allah Azza wa Jalla guidera vers toi les gens de piété, même si tu ne t'attendais pas à leur venue. D'accord ? Et c'est ce qui est arrivé juste après. Donc tous ces versets-là rassurent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les utilise pour guider ces gens-là, pour les réveiller et pour leur donner des exemples desquels ils peuvent tirer quelques leçons et quelques moralités. Alors, Ashab al-Qariya, les gens de la cité, de quelle cité il s'agit ? Alors là, la majorité des exégètes disent qu'il s'agit de la cité de Antakya. Antakya, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la ville d'Antioche. La ville d'Antioche. C'est une ville qui existe aujourd'hui. La ville d'Antioche, c'est une ville qui existe en Turquie. Et elle existe vers les frontières de la Turquie avec la Syrie, la ville d'Antioche.
Et les Turcs, ils l'appellent Antakya. Et selon les exégètes, parce que regardez, Bagazioj ici, il n'a pas cité le nom de la cité, il n'a pas cité le nom des deux messagers, le troisième messager ou le troisième mot qui est venu se tenir, il n'a pas cité le nom de l'homme qui est venu de l'extérieur de la cité. Il n'a pas parlé de tout ça. Et c'est le cas de plusieurs histoires qui sont narrées dans le Coran, comme Al-Kahf, l'histoire des jeunes de la caverne, de la grotte. Là, je n'ai pas donné des détails sur leur nom, combien est leur nombre et tout ça. Parce que ce qui importe, c'est quoi? C'est la leçon que tu vas tirer de leur histoire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à supposer qu'Allah Azzawajal entre dans les détails, c'est que même chez les chrétiens ou les juifs, ils se contredisent entre eux, ils ne sont pas d'accord les uns et les autres. D'accord? Sur certains détails relatifs à ces histoires. C'est comme les gens de l'Kahf. Ça y est, certains disent qu'ils sont 3, certains disent qu'ils sont 4, certains disent qu'ils sont 5. Si l'islam il vient et il dit explicitement qu'ils sont non, donc c'est comme s'il a mis, donné un revers aux autres qui ont donné un autre nom. Et là, ils seront hostiles à l'islam. Ils fermeront les oreilles. Toi, tu as dit 4, alors que moi j'avais dit 5, donc je ne t'écoute même pas. Donc pour ne pas entrer en polémique avec eux sur des détails comme ça, l'islam il parle de manière générale. Mais il donne au moins des détails qui n'existent pas, c'est ces gens-là, dans l'espoir, c'est pas dans l'espoir, avec la certitude que les êtres humains, qu'arrivera un moment où les êtres humains, avec le développement de leurs moyens d'investigation, ils découvriront certaines vérités qui se trouvent dans le Coran. Et rappelez-vous aussi, vous rappelez de la série des prêches sur Al-Kahf, prêche des vendredis, on a parlé de certains détails qui étaient inconnus. Même chez ceux qui ont narré cette histoire parmi les gens du livre. Mais seul le Coran a donné ces détails-là, et maintenant la science a corroboré ces détails-là. Et il en est de même avec cette histoire de Al-Qarya. Et justement, plusieurs données historiques maintenant, en faisant une petite recherche sur Internet dernièrement, j'ai trouvé justement chez les chrétiens des données qui corroborent la vie de cette majorité des exégètes. C'est que justement, À Antioche, il y avait deux messagers qui sont venus, mais ce n'est pas des prophètes. En fait, ce sont des apôtres de Isa alayhi salam. Et même nos exégètes, ils disent ceci. Ils disent que ce sont des envoyés de Isa alayhi salam. Et l'envoyé de l'envoyeur est son envoyé. Parce que Allah a dit, « Id arsalna ilayhim » Nous avons envoyé à eux deux. « Id arsalna ilayhim ufnayim » Donc là, ça laisse supposer que ce sont des prophètes. C'est ce qu'ont dit certains exégètes. Mais d'autres disent non, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des hommes, des apôtres qui ont été envoyés par qui? Par Jésus. Et puisqu'ils sont les envoyés de l'envoyé de Dieu, c'est comme s'ils étaient les envoyés de Dieu. Par transitivité. Vous allez me dire, oh, même, c'est à vous tirer par le cheveu. Non, c'est pas tiré par le cheveu. Lorsque les musulmans sont entrés en guerre avec les Byzantins, rappelez-vous, celui qui dirigeait les musulmans, c'était Saad ibn Abi Waqqas. Et ils ont voulu un petit peu négocier entre eux. Saad a envoyé un homme qui s'appelle Ribri ibn Amir. C'est un bédouin qui avait des tresses sur ses cheveux, des habits qui montraient qu'il n'avait pas de grande valeur. Et il a dit, je vais négocier avec Rostam. Rostam, c'était le général des Byzantins, un homme de grande classe, de grande autorité. Et il est allé discuter avec lui. Et lorsqu'il l'a vu, je ne rentre pas dans les détails, lorsque Rostam a vu Ribri, il m'a dit, mais qui êtes-vous? En peu de temps, des Bédouins qui étaient inconnus, qui étaient les derniers des derniers, maintenant ils sont en train de conquérir pays après pays avec une vitesse fulgurante. Mais qui êtes-vous? Et Ribri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nahnu qawmun ibta'athana Allah. Voilà ce que je dois revenir. Nous sommes un peuple que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Donc ça, il ne veut pas dire que nous sommes des prophètes. Et pourtant, il a dit que Dieu a envoyé. Autrement dit, ce qu'il voulait dire, c'est que le prophète nous a montré ce qu'il faut faire. Et Dieu lui a montré ce qu'il faut faire. Donc c'est comme si Dieu nous a montré ce qu'il faut faire. C'est comme si Dieu nous a envoyé pour faire. L'inokhrijannas. Nous sommes un peuple que Dieu a envoyé pour basculer les gens de l'adoration des serviteurs à l'adoration du Seigneur des serviteurs. Déjà, l'ibad, il a l'ibad, c'est Rabbi, l'ibad. Et
et basculer les gens de l'injustice des religions vers la justice de l'islam. وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَاتِ الْآخِرَةِ, du rétrécissement de la vie d'ici-bas vers la grandeur et l'élargissement de l'au-delà. Donc, ce qui nous intéresse dans la parole de l'Ibrahim ibn Hamid, nous sommes un peuple que Dieu a envoyé. Donc, lorsqu'on a dit, nous avons envoyé deux, et ensuite nous les renforçâmes avec un troisième, ça ne veut pas dire forcément que ces envoyés-là sont des prophètes. Et justement, les données historiques confirment que, justement, Jésus, juste avant qu'il soit levé, a demandé à ses apôtres de propager sa religion partout, dans des différents horizons. Et justement, il y a deux de ses apôtres, en l'occurrence Paul et Barnabé, qui sont partis à Antioche. Paul et Barnabé, ils sont très connus. Et même il y a la Bible selon Barnabé. Et dans cette Bible-là, qu'on a découvert, on a trouvé le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cité d'une manière explicite. Donc ces deux-là sont partis à Antioche pour appeler à Dieu, parce qu'il y avait des païens là-bas et il y avait des juifs. Et ils sont partis pour appeler à Dieu. Et Barnabé avait un cousin et un élève, qui était son propre élève, qui les a suivis plus tard. Il s'appelle Marc. Et ceci est corroboré par les données historiques chez les chrétiens. Donc, et il est venu plus tard, ils sont partis des premiers, et ensuite il est venu plus tard pour les soutenir. Et regardez comment Allah a sauvé. Nous leur envoyâmes deux, et nous les renforçâmes avec un troisième. Ça veut dire que c'est plus tard que le troisième est venu. N'a pas dit nous envoyer trois d'un seul coup. C'est pour montrer que le troisième est venu beaucoup plus tard. Et maintenant, les données scientifiques vont dans ce sens-là. D'autant plus que ces mêmes données scientifiques qui disent que ces deux apôtres sont entrés à Antioche en l'an 34 de la naissance de Jésus. Et nous savons que Jésus, alayhi salam, a été levé alors qu'il avait 33 ans. Et c'était juste après donc la levée de Jésus, alayhi salam, en l'an 34. Et par l'an 34, Paul et Barnabé sont venus à Antioche. Non seulement ça, c'est que ces mêmes sources chrétiennes et même des sources même non chrétiennes confirment que dans cette ville-là, il y a eu un grand tremblement de terre en l'an 115 après la naissance de Jésus. En l'an 115. Et dans l'histoire que je vais nous raconter dans sa sourate, il parle justement de ce tremblement. Il n'y avait qu'un seul cri, et voilà qu'ils ont été exterminés. Et les sources historiques, ils parlent de 70 000 morts. Qu'il y a eu 70 000 morts. Il y avait un deuxième tremblement, un peu plus que l'an 500, et là, ils parlent un peu plus de 130 000 morts. Donc, c'est pour vous dire que l'islam, lorsqu'il a donné ces précisions-là, voilà maintenant les données historiques qui sont en train de le confirmer. Parce qu'on peut savoir le tremblement de terre qui a touché une région, on peut dater. Quand est arrivé ce tremblement de terre. Donc ceci, ces détails-là vont venir, inchallah, en expliquant verset après verset. Alors, donc là, je dis, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Quand nous leur envoyâmes deux envoyés, deux, il n'a pas dit envoyés, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ Naini. Il n'a pas dit Rasulaini ou Nabiyaini. Il n'a pas précisé. Nous leur envoyâmes deux. Et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième. Et ils dirent, vraiment, nous sommes envoyés à vous. Inna ilaykum mursalun. Mais vous êtes envoyés par qui? Il n'a pas précisé. Donc ça peut être par Jésus. Comme ça peut être par Dieu. Donc vous avez les deux, vous avez certains exégètes qui ont dit ce sont des prophètes que Dieu a envoyés, se sont basés sur la parole du texte, et d'autres qui ont dit non, ils ont été envoyés par Jésus. Et ceci a été corroboré par des découvertes historiques. Qu'est-ce que ce verset nous montre? Fa'azazna bithalith. Dans une autre lecture, fa'azazna bithalith. Azazna, ça veut dire l'Izza, c'est la force, la puissance. L'Aziz, c'est le tout-puissant. Donc, Azazna, ça veut dire qu'on a renforcé leur action avec une troisième personne. Et pourtant, c'est le même message. Et tout ceci nous montre que l'appel à Dieu a besoin de la mutualisation de plusieurs efforts. D'accord? La mutualisation de plusieurs efforts.
combien même un prophète soit éloquent, bon, il a besoin de soutien des autres. Voilà pourquoi Moussa alayhi salam lui-même s'adressa à Allah Azzawajal pour lui demander le soutien de son frère Harun. Allah, donc là, je parle en demi, il a dit Rabbi, qala Rabbi, shrahli sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa j'alni waziran min ahli Harun akhi, ushdud bihi azri, wa ashrikhu fi aymat bi amri, kay nadhkuraka, kay nusabbihaka kathiran, wa nadhkuraka kathiran. Donc, Moïse alayhi salam a dit, donc, il dit Seigneur, ouvre-moi ma patrie et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud au marron, parce qu'on dit que Moïse, dans sa manière de parler, il avait un nœud. Ce n'était pas explicite dans les phrases qu'il prononçait. Un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles, et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'invoquions beaucoup. Et regardez. Afin que nous te glorifions beaucoup. C'est-à-dire même le fait d'être soutenu par les autres, tu glorifies plus Allah Azza wa Jalla. Et tu invoques Dieu plus. Tu sais que lorsque tu es soutenu par tes frères. Isa alayhi salam a fait la même demande. Allah Azza wa Jalla s'adressa aux musulmans. Il a dit Ya ayyuha alladhina amanu kunu ansar Allah ou ansar al-lillah. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار دونك او فو كي افي كرو soyez des alliés de Dieu comme Jésus fils de Marie a dit à ses apôtres qui veut être mon allié à Dieu pour Dieu et les apôtres les حواريون ont dit nous sommes les alliés de Dieu donc tout ça c'est pour montrer que quelle que soit la grandeur d'un prophète il a besoin de ceux qui le soutiennent. Même le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, en parlant de lui, Allah je l'ai dit, Muhammadun Rasulullah, wal-ladhina ma'ahu, ashidda'u al-kuffar, Muhammad, le messager de Dieu, et ceux qui sont avec lui. Wal-ladhi ayyadaka binasrihi wa bi al-mu'minin, c'est lui qui t'a soutenu avec son triomphe et avec les croyants. Donc, tout ceci, c'est pour dire, quel que soit notre éloquence, notre savoir, on ne peut pas appeler à Dieu tout seul. On a besoin d'être entouré par ceux qui nous soutiennent, chacun donne de lui-même et tout le monde participe justement à cette entreprise d'appel à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-Rahman min shay'in in antum illa takdhibun. Ils dirent, donc les gens à qui ils ont été envoyés dire, vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Là, vous êtes que des hommes comme nous. On dit, c'est comme ces gens-là, ne s'attendaient pas à ce qu'un prophète soit un être humain. Ils s'attendaient à ce qu'un prophète soit un ange ou quelqu'un d'une autre espèce, d'une autre. Ce qui n'est pas du tout logique. Et cette excuse-là fut donnée par tous les peuples. D'ailleurs, si vous faites une petite recherche dans le Coran, vous allez voir que cette excuse-là a été sortie par plusieurs peuples devant plusieurs prophètes. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla confirme ceci en disant وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Donc, et rien n'empêcha les gens de croire quand le guide leur est parvenu, si ce n'est qu'il disait Allah, envoie-t-il un être humain messager? Ensuite, là, je lui réponds قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Dit, s'il y avait sur terre des anges qui marchaient calmement, et qui marchaient sur terre calmement, nous aurions descendu sur eux un ange messager. Vous attendez un ange, mais vous n'êtes pas des anges pour que je vous envoie un ange. Si vous étiez des anges, là, je vous envoie un ange. D'accord? Vous êtes des êtres humains, je vous envoie un messager, être humain, parmi vous. Pourquoi? Parce que si Allah Azza wa Jalla envoie un ange comme messager à des êtres humains, pour leur dire, vous devez croire en Dieu. D'accord, on va croire en Dieu. Vous devez faire la prière, le jeûne, comme moi. Vous lui dire, mais attends, t'es un ange, tu es plus
capacité que nous. Si tu es plus, tu es plus que nous, on ne peut pas, on n'est que des humains. Donc ils trouveront toujours l'excuse de ne pas le suivre. Alors que lorsqu'il est, c'est-à-dire qu'il est d'eux, il est de la même nature qu'eux, la même espèce qu'eux, là forcément il est leur exemple, il devient leur exemple. Si lui peut faire une chose, c'est qu'ils sont capables de la faire. Et dans ce cas, ils ont le devoir de suivre et ils ne peuvent pas trouver d'excuse devant Dieu de dire « Oui, mais ce messager-là était d'une autre espèce, c'est pas comme, comme les êtres humains le sont faits. » Non. Il est un être humain comme vous. Il mange comme vous, il va dans les marchés comme vous, il mange les... Il mangeait, en fait, mangeait la nourriture et il marchait dans les souks. Donc voilà pourquoi de chaque communauté, là, je m'envoie un messager d'eux. Mais ceci va poser une grande question, et je vais la poser, mais je ne vais pas m'étaler dessus, on la laissera pour la prochaine fois. C'est que si on dit ceci, que Allah envoie un messager qui fait partie de la même nature, de même nature que ceux à qui il a été envoyé. Donc on le comprend pour les prophètes et les messagers qui ont été envoyés aux êtres humains. Si on prend le cas des djinns, le cas des djinns, est-ce qu'ils ont reçu des messagers qui sont de leur race ou est-ce qu'ils ont reçu des messagers qui sont des humains? Là, il y a une divergence entre les savants, entre ceux qui disent il y a eu des djinns messagers et ceux qui disent non, il n'y a pas eu de djinns messagers, il n'y a eu que des humains messagers pour les djinns. Et chacun avance sa preuve et chacun soutient son avis par des éléments, par des versets. Et pour puisque le temps ne le permettra pas de nous étaler là-dessus, Charles, on va laisser pour la prochaine fois, on verra comment chacun s'est positionné et quelle est l'avis majoritaire de Al-Sunna. Jama'a là-dessus, puisque c'est une affaire qui a un rapport étroit avec la foi musulmane, avec l'aqida islamia, et c'est pour cela qu'on la laissera, inch'Allah, pour la prochaine fois.